comme nous le disions tantôt, la recherche, elle sert à ça aussi. La recherche, c'est de produire des connaissances et de pouvoir bâtir des indicateurs pour qu'à partir de cela, on puisse avoir les contraintes identifiées, comment trouver des solutions. Et par rapport aux OMD, qui sont les objectifs du millénaire pour le développement, je pense que pour les atteindre, en tout cas, je ne vais pas dire qu'on ne va pas les atteindre, parce que 2015, c'est dans une année, mais des progrès ont été faits. Des progrès ont été faits dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, dans le domaine de la scolarisation des filles, dans le domaine de l'accès aux services sociaux de base, l'accès à l'eau, l'électrification rurale, la santé de la reproduction aussi. Il y a des progrès qui ont été faits. Il y a même une loi qui a été prise au Sénégal, la loi sur la santé de la reproduction. Mais je pense que pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, le préalable, c'est l'éradication des violences basées sur le genre. Parce que les recherches que nous menons ont pu faire voir que les violences se passent dans l'espace domestique, mais ils se passent aussi dans d'autres secteurs. Ils sortent de cet espace domestique-là pour se passer dans le milieu de formation, se produire dans le milieu de travail, et à des proportions insoupçonnées. Et souvent aussi, sur un autre plan, quand des requêtes sont faites, quand des plaintes sont faites par des femmes, avec toute la difficulté qu'il y a à faire une plainte à un membre de sa famille ou à une connaissance, il y a beaucoup d'impunité. L'Association des juristes sénégalaises, le CLVF, le réseau Sigildjigen, le RADI, l'ensemble des organisations de la société civile dénonce cette question-là sans pour autant qu'on ait de solution. Et je pense que sans se tromper, on peut effectivement dire que l'atteinte des objectifs, on sera loin de cela tant qu'il y a encore des violences basées sur le genre. Donc le préalable, à notre avis, c'est la prévention des violences basées sur le genre, pour ne pas dire leur éradication, pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. La recherche en question est soutenue par le CRDI, qui est un organisme canadien qui supporte beaucoup de recherches dans le monde. Et je pense que c'est un soutien très important parce que, ayant permis justement au groupe d'études et de recherche genre et société d'arriver à des résultats qui sont, je pense, assez intéressants dans une perspective de prévention. Et c'est pour cela que, avec des acteurs comme le CLVF, nous envisageons d'avoir une plateforme d'alerte et de veille qui va permettre de collecter des statistiques, mais en même temps aussi d'alerter les acteurs. Donc je pense que c'est des résultats qui vraiment montrent que les filles abandonnent l'école souvent suite à des cas de violence, des professionnels abandonnent le milieu de travail suite à des cas de violence. Donc c'est vraiment un phénomène qu'il faut arriver à éradiquer, d'où tout l'intérêt de bâtir des programmes de prévention qui recoupent les différents acteurs donc, dans la société, que ce soit les chercheurs, les journalistes, les activistes, etc. Et c'est dans ce sens que nous travaillons aussi avec le réseau des journalistes contre les violences faites aux femmes, parce que comme vous le savez, les médias aussi participent souvent dans la production, des violences avec le mode de traitement justement des violences et la banalisation qui souvent résulte donc de ce mode d'interprétation-là.